Bonjour tout le monde, c'est Mode 230 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très très spéciale parce qu'on est en IRL, on est dans la forêt de Malogne. Mais vous allez dire, qu'est-ce qu'on va faire dans la forêt de Malogne? Nous allons visiter le fort de Malogne. Donc, c'est parti! Et voilà, nous voici au fort de Malogne. Je vous laisse admirer déjà là l'entrée. Alors vous voyez là normalement qui c'est bien cadenassé, mais on aura quelques vues au-dessus. On a aussi la date juste à gauche, 1888, pour ceux qui n'arrivent pas très bien à lire. Hein. Donc voilà, on va s'approcher un petit peu, je pense. Voilà. On voit aussi bien le reste des grilles, ça date ce fort. Franchement, ça date, mais vraiment, vraiment. Bien sûr, c'est une entrée interdite, parce que ça a vécu la guerre et c'est peut-être assez dangereux encore. Donc voilà. À l'ancien temps, la barrière était ouverte et on pouvait faire ce qu'on veut. Donc franchement, on pouvait faire vraiment ce qu'on veut. Donc mon caméraman et moi, on va s'approcher de la grille pour vous montrer un peu plus. Ça date vraiment, hein. Franchement, il y a le mur pété juste à gauche. Hein, et en plus, en montant en écho, il y a des petites stalagmites. Franchement là, on va s'approcher un peu pour regarder. Ici, ils ont mis du béton pour ne pas qu'on passe. Sinon, il y avait beaucoup, mais vraiment beaucoup de passages. C'était un très très gros labyrinthe. Et on a le mur pété aussi ici. C'est sûrement pendant la guerre que ça s'est passé. Alors ici, on peut quand même assez voir. Tu peux t'en rapprocher. On peut voir qu'il y a des tags. Donc on est bien passé par ici, comme vous voyez. Mais maintenant, je ne pense plus qu'on peut passer. En tout cas, avec ce canard de malade, je ne pense plus trop. Franchement, c'est assez sécurisé. Donc maintenant, on va vous montrer quelques points d'eau. Allez, à tout. Donc voilà, on est au-dessus du fort. Donc, cette vidéo va toucher à sa fin. On va essayer que mon caméraman se rapproche un tout petit peu, juste pour voir. Hein, juste pour vous montrer. On est au-dessus du fort. Donc voilà, c'est très impressionnant. Mon caméraman vous montre, je pense. Voilà, donc on a essayé de rentrer, mais on n'a pas réussi, on a vraiment testé. La grande barrière, c'était inouvrable, mais je pense que on pourra peut-être faire une autre vidéo pour voir s'il n'y a vraiment aucune entrée. Donc voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Si vous aimez ce genre de vlog, où on va dans des endroits un petit peu privés et tout, n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, portez-vous bien. C'était Mode 230. Salut tout le monde! Mais c'est des chasseurs! Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais avant de nous quitter, je veux vous préciser que j'ai appris que dans le fort, même si nous n'avons pas pu y entrer, se trouvent des choses dangereuses comme des trous profonds ou chutes de pierre, etc. Ne vous y aventurez pas.